Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais présenter mes armes de chasse au petit gibier. Donc je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. On commence avec ce trois coups. Ça fait un temps que je l'ai, ça fait pas longtemps. Donc il me tombe bien, j'ai essayé, il me tombe bien, c'est impeccable. Il est propre et ouf, voilà, c'est pas un. Voilà, c'est un truc normal. Et c'est un canon, je crois que c'est 66. Ouais, je crois 66. Donc voilà, c'est un trois-coups, je n'ai jamais eu. C'est la première fois que je vais tester en chasse avec le trois-coups. Donc voilà, c'est un calibre 12. 12 canon 66. Donc voilà, il est impeccable avec le lacet. Moi les trois coups j'adore, donc dans les prochaines vidéos je vais les tester, donc voilà quoi. Il est impeccable, il est propre, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait 3-4 jours, donc voilà. Donc on passe au prochain, à la prochaine pardon, ici on a une 410 juste à poser. Voilà, regardez, juste à poser. Ah, ça fait là, ça fait longtemps que je l'ai, oui, ça fait le tout petit. Donc j'ai testé une fois, je crois. J'ai tué un pigeon, je crois, avec ça. Donc c'est impeccable pour les petits gibiers, pour la pécasse, faisant tout ça. Donc c'est impeccable. On abîme moins le gibier, quoi. Et oui, ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait au moins 7-8 ans. Hein. Ah oui, 7-8 ans, il est impeccable. Bah, il y a quelques trucs à faire, retaper quoi. Mais il est impeccable, donc il marche bien. Allez, à la prochaine. Hein. Ici, j'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est un Miro Q38 en trappe 76. Pardon. Ben c'est la plupart, je le prends en faisant, mais ça abîme un peu beaucoup le faisant. Et bon là, ça fait longtemps, celui-là aussi, c'est. Mais mon père, il était jeune, il l'avait encore. Donc voilà, en canon 76. Vous savez, les gravures, là, c'est impeccable. Il est beau, il est super beau, il est très léger. Et voilà quoi. Mais c'est le top, puis il est léger pour la chasse au petit gibier, même pour le VK, c'est le top. Donc voilà, je suis satisfait avec cet arme, donc je m'en compte bien. Donc voilà quoi. Donc merci les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Et